Molière, le 29 mars 1920. Bien chers amis, vous allez sous peu être avertis sans doute par l'état civil du transfert des restes glorieux de nos chers enfants dans le cimetière militaire de La Faux, qui est situé sur le côté de la route de Maubeuge. Ayant assisté à cette opération, je viens au plus vite vous donner les détails, ne doutant pas un seul instant du plaisir que vous aurez à les lire. Après 3 ans, direz-vous, qu'a-t-on pu retrouver? Que je vous dise, ou plutôt que nos 6 chers enfants étaient intacts et bien reconnaissables. Ayant été averti par le propriétaire de la carrière par dépêche samedi 20 mars vers 4 heures, nous partions de suite avec ma sœur et arrivions lundi matin à La Faux. L'équipe étant sur les lieux, le travail a été commencé à 2 heures de l'après-midi. Le premier exhumé avait la plaque 971, inconnue pour nous. Le deuxième, 956, Jean-Baptiste, votre fils. Le troisième, 957, Frédéric, le mien. Ces trois étaient au-dessus des autres, mais très bien conservés, je vous assure. On leur passait un drap sous eux et on les sortait de la carrière où nous avons pu les examiner tout à notre aise. Nous avons gardé ces 2 enfants le temps que nous avons voulu, puis on les a mis sur une voiture et nous les avons accompagnés au cimetière vers 4 heures lundi soir. Là, nous les avons mis en bière et arrangés nous-mêmes, tous deux. Vous remplaçant auprès de lui, nous avons eu l'idée de couper un peu sa capote qui sera, je n'en doute pas, un souvenir précieux, surtout pour la maman. Donc, encore un temps, nos 2 fils reposeront l'un près de l'autre. Hélas, n'était-il pas inséparable? À sa dernière permission, mon fils me racontait qu'il l'avait rencontré 2 ou 3 fois à Verdun. Il l'appelait l'infirmier. Il nous disait: Jean-Baptiste et moi, on est comme deux frères, c'est à la vie, à la mort. La meilleure preuve qu'il ne voulait pas se séparer de lui, la voici. Il repartit le 10 janvier de chez nous et sur sa lettre, il nous avoua sa déception d'être inscrit au fusil mitrailleur. Mais il ajoutait: Si j'ai été déçu de ce côté, j'ai eu la satisfaction de voir que Jean-Baptiste s'était fait inscrire à mon fusil pour ne pas me quitter. Donc, je suis satisfait quand même. Ils sont au bord de la grande allée du milieu du cimetière et la croix du vôtre porte le numéro 1 et nous 2. Tout a été fini vers 7 heures, mais jugez un peu dans quel état nous étions. Le propriétaire de la carrière a bien voulu nous fournir un lit et le mardi, nous sommes allés fleurir ces 2 tombes avec la seule chose verte que nous puissions trouver. Un pied de houx qui avait repoussé dans ce qui était autrefois un jardin, et après une dernière prière, nous nous sommes séparés avec le cœur bien gros de ces chères tombes. Voilà, chers amis, le compte rendu de mon si triste et si consolant voyage. Si l'État veut bien nous les rendre, nous serons sûrs que ce sera bien leur pauvre reste. Sur ce point-là, le bon Dieu nous a bien exaucés, car combien ne retrouvent absolument rien? Nous avons même fait clouer à tous deux sur la bière la grosse plaque en plomb 956 et 957. Nous avons tout fait pour être sûrs de recevoir bien exactement leur reste. Eh bien donc, si nos chers enfants ne voulaient pas se séparer, j'espère, chers amis, que vous ne les séparerez pas dans vos prières.
Avec tous les détails que j'ai pu vous donner, veuillez recevoir, chers amis, nos meilleurs souvenirs. Maria Aussignac.